Beaucoup se demandent comment suit Jésus. Eh bien, c'est très simple. C'est marqué dans la Bible. Jésus a dit à un riche, « Donne tout ce que tu as et suis-moi. » Alors évidemment, vous vous dites, c'est pour les riches. D'ailleurs, vous pensez que l'argent et Dieu, ça ne va pas ensemble. Et pourtant, les parents de Sainte Thérèse, qui ont été déclarés saints, étaient des chefs d'entreprise. Je pense que Dieu n'a pas de problème avec l'argent. Je pense que c'est nous qui avons un problème. Je pense que l'argent ne doit pas être roi dans notre vie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le placer avant Dieu et avant les êtres humains. À la première place, il doit y avoir Dieu. Et après, qu'on ait de l'argent ou qu'on n'en ait pas, ça passe après Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'en gagner beaucoup. Tout dépend du rapport que vous avez avec lui. Mais attention, l'argent est souvent un piège. Car il ne faut pas écraser les personnes pour gagner plus. Alors c'est facile à dire qu'il faut placer Dieu avant. Mais dans certaines familles, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de nourriture. Donc Jésus a dit à un riche, « Donne tout ce que tu as et suis-moi. » Oui, mais voilà, pour nous ça veut dire « Abandonne tout ce que tu as et suis-moi. » Ça veut dire par exemple dans ta vie professionnelle, « Cherche la volonté de Dieu » et n'hésite pas à abandonner ton métier pour faire ce que Dieu demande. Alors, pour savoir ce que Dieu demande, ça prend du temps. Il faut d'abord beaucoup prier. Suivre la messe, la confession, le jeûne et sacrifice, la lecture de la Bible, le chapelet. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais faites ce que vous pouvez. Puis, priez beaucoup pour voir les grâces que Marie vous donne et essayez de deviner ce que Marie veut. Il faut savoir que Marie veut toujours la volonté de Dieu. Puis, il faut agir avec confiance. Vous croyez avoir trouvé la volonté de Dieu, eh bien, faites-le avec confiance. Attention, c'est difficile, car vous êtes sans arrêt dans le doute, et vous n'êtes pas sécurisé financièrement et professionnellement. Vos amis et votre famille peuvent vous poser des problèmes, car vous n'allez pas suivre le chemin classique d'une recherche de travail. Le secret, c'est la confiance. Dites-vous bien que si vous priez correctement Marie, elle est avec vous, et elle ne vous laissera pas tomber. Le chemin est long et très difficile, mais si vous vous accrochez, vous pouvez y arriver. Il y a 5 semaines, Marie a pleuré. Les images suivantes nous viennent d'Italie, dans la paroisse de Notre-Dame de la Réconciliation à Brindisi. Le vendredi 28 mars 2020, un chapelet a été demandé par les malades et pour les personnes décédées de la maladie venue de Chine. Au moment du chapelet, des larmes ont commencé à couler de la statue de la Sainte Vierge. Vous pouvez me contacter ou m'écrire en privé pour me transmettre un commentaire, un miracle ou une demande de prière. Voici mon adresse mail remy.croassier@orange.fr. Prière pour Marie. Fermez les yeux et répétez après moi. Marie, prie pour tous les enfants qui jouent à des jeux dangereux à l'école. Voici les prières pour les abonnés. Prie
pour Sylviane, pour qu'elle trouve la paix profonde et le bonheur du ciel. Prie aussi pour Colombe, pour qu'elle trouve son chemin. Prie pour que Amélia trouve sa vocation et le chemin qui mène à Jésus. Prie pour que Marie ait la paix, la joie et la confiance. Prie aussi pour aider Gamba à ouvrir son cœur à Marie. Prie pour que Laurence voie les grâces que Marie lui donne. Prie aussi pour que Anna s'ouvre complètement à Medjugorje. Et enfin, prie pour moi, Rémi, pour m'aider à trouver des miracles filmés. Et aussi, pour que je trouve des bons conseils à donner, ainsi que des titres pour mes vidéos. Je vous salue. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ouvrez les yeux et regardez Jésus. Fermez les yeux et répétez après moi. Marie, Dieu t'a envoyé vers nous pour écraser la tête du serpent. Tu nous as appelés, tu nous as demandé de te suivre. Et nous avons dit oui. Nous avons prié avec le cœur, nous avons jeûné, fait des sacrifices, nous sommes retournés à la messe, on a dit des chapelets, on a essayé de lire la Bible. Tu nous as demandé de pardonner et de nous aimer les uns les autres. Et parce que j'aime mes frères, et que je leur pardonne d'être loin de Jésus, je te demande de prier et d'écraser cette maladie, de nous pardonner et de venir nous sauver en utilisant la douceur. Amen. J'ai déjà fait
plus de 700 vidéos que vous pouvez voir et revoir sur mes deux chaînes croassier.fr et Apparition Medjugorje. Merci à tous ceux qui reprennent les miracles filmés que je trouve et qui les réutilisent dans un blog ou dans une vidéo, de citer vos sources et de mettre un lien vers ma chaîne.